Bienvenue dans ce tout petit épisode de mon Let's Play Crusader Kings 2 avec la dynastie des Saliens. Je vais mettre fin à ce Let's Play, comme je l'avais annoncé, enfin j'avais fait un petit sondage à ce sujet il y a à peu près une semaine peut-être, il y a 5-6 jours. Les avis étaient partagés, c'est vrai, mais je viens de créer le Saint-Empire romain, c'était l'objectif. J'ai réussi en plus de ça à créer l'Empire Britannia aussi. Donc je vais arrêter ici. Ça fait déjà 80 épisodes, je crois, grosso modo, que j'ai commencé ce let's play. Il a été assez long, j'ai regardé, j'ai dû le commencer au mois de novembre, quelque chose comme ça, à l'occasion de la sortie de Fils d'Abraham, le dernier DLC sur Crusader Kings 2. Je vous remercie tous de m'avoir suivi jusqu'ici. Juste un petit truc, je l'arrête entre autres parce que les sauvegardes, comme vous avez pu vous en apercevoir, aux 4 de chaque mois deviennent carrément insupportables. Enfin, je sais pas, mais moi, c'est rédhibitoire, ça me gâche le plaisir. 10-15 secondes de sauvegarde tous les mois. On n'a pas ce problème-là avec Europa Universalis 4. Donc, ça et le fait que j'ai réussi à créer le Saint-Empire, ça me pousse à arrêter. De toute façon, j'ai encore beaucoup de choses à faire sur Crusader Kings 2. Dès demain, je pense. Ouais, je pense que je vais me lancer dès demain sur un nouveau Let's Play. Ah, je vous dis pas sur quoi ça va être, on a évoqué pas mal de choses, les républiques, un état, un royaume musulman, un royaume juif aussi, un royaume en Espagne, en Italie, enfin plein de choses, il y a plein de choses qui ont été dites. Et puis, bah, eh bien, de toute façon, vous verrez demain, hein. A priori, l'heure ce sera la même que pour ce let's play. Je pense pas qu'il y aura de changement d'heure. Ah si, si, ce sera 20h, excusez-moi. A priori, ce sera 20h plus tôt. Voilà, bah, je vous remercie. Je vous invite, comme d'habitude, à suivre mes autres let's play sur, je sais pas, Europa Universalis 4, sur Hearts of Iron, sur Prison Architect, qui va bientôt se finir. Et à l'occasion aussi, je vous invite à me rejoindre sur Twitter. Vous pouvez trouver le raccourci qui vous y mènera directement en tête de ma page YouTube, je crois. Voilà, bonne soirée à tous et à demain pour un nouveau let's play sur Crusader Kings 2.